faire son travail. On peut se reconnaître dans le travail, parce qu'on n'est pas au rendez-vous, on ne peut pas mettre de soi, on ne peut pas contribuer de manière satisfaisante. Tout cela est potentiellement peut conduire à un trouble d'exposition. Conséquences évidemment sur la santé des personnes, conséquences aussi en termes de coûts pour l'entreprise. Absolument, pour l'entreprise, c'est un coût. Hein. Alors bonjour, je fais maintenant ce direct. Voilà, il est pratiquement 6h moins. Nous sommes à Zérékorée, qui est la zone forestière de la région forestière de la Guinée-Conakry. Voilà, aujourd'hui c'est le 11, c'est la date de l'ouverture. Voilà, l'ouverture de ce restaurant appelé Figayo le Bonheur. Il fait partie d'un produit, n'est-ce pas, de Gioro Business Resto. Voilà, Gioro Business Resto. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la date de l'ouverture. Nous avons déjà disposé les couverts. Et il faut que je vous explique un peu comment les choses se passeront ici. Nous avons disposé les couverts. Nous avons invité pour Zérékorée. Les autorités seront là. Franchement, tout le monde est invité à cette ouverture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vient répondre aux besoins de la population. Pendant mon séjour ici à Zérékorée, pendant mes débuts, j'ai été confronté à ce souci-là. De pouvoir m'alimenter. Alors donc, c'est venu dans ma tête pour dire, et si j'ai vécu ça, c'est qu'il y a beaucoup qui connaissent aussi, qui traversent aussi les mêmes difficultés. Non, pas maintenant, ça sera demain. C'est demain. La noire, la noter demain matin. Voici un peu tout. Alors donc, je mets un business en place au niveau d'ici la restauration, pour répondre aux besoins de la population. C'est ça, il faut entreprendre, il faut s'investir, il faut créer l'emploi et tout ça. Je mets l'entreprise en place, n'est-ce pas? Voilà. Alors, les mets seront les mets ivoiriens, forestiers. Voilà. C'est les gens de la forêt, on appelle Topoji. Vous aurez Menapoto, c'est de la sauce feuille de manioc. Encore on appelle ça Bamouin, feuille de manioc avec du riz. La noix, la sauce arachide les matins. Et vous aurez le plat clarif chaud, avec pied de porc, pied de bœuf, la queue de bœuf. Polo, escargot, placali matin. Voilà, matin. Il en aura du riz. Du riz à la sauce graine aussi. Le riz à la sauce arachide. Le riz espèce de manioc qu'on appelle manapoto. Voilà. Donc, voici comment les choses se présentent. Quand vous venez normalement, il y a une serveuse là. Voilà, elle est là. Et quand vous venez, il y a un client qui cherche à manger. Hein. Le monsieur a demandé à manger. Voilà. D'accord. Et la serveuse, elle est ici. Quand vous rentrez, on vous reçoit. Ici, c'est ça, hein. Beaucoup de politesse. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur, ça va? Qu'est-ce que vous voulez? Ok, je vais manger. Ok. Elle t'accompagne. Elle va s'arrêter, elle va se présenter au gérant. Voilà. Je suis là. À reprendre les commandes à la consultation de Créteil, le docteur. Monsieur, vous avez grand faim, vous avez faim. Vous voulez manger? Vous mangez quoi? Placali, plot, quoi? Ok. Le plat fait temps. Alors, est-ce que vous avez commandé? Il y a là. Il y aura un truc ici pour voir ce que vous avez vraiment commandé.
Voilà, vous avez commandé. Vous pouvez commander. Hein. Vous pouvez commander votre plat et tout ça. Aussi, on fait emporter aussi tout ça. Vous pouvez commander. Il y aura des motos dans la ville pour faire emporter, vous livrer, faire les livraisons chez vous à la maison. C'est tout ça ce business-là. Hein? Du business, resto, c'est tout simple. Les motos pour vous faire livrer à la maison. Voilà, ici, c'est. Nous sommes très professionnels. Voilà. Vous pouvez être à la maison commander, vous venez, mais à des petits frais. Le déplacement est là-dessus. Donc, il vous reçoit ici, il vous donne le ticket, vous payez. C'est ici que l'argent se passe. L'argent ne donne pas à une serveuse, non, 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 ici. Il note, tac-tac. Il remet, voilà, il vous remet la note et la serveuse. Elle vous accompagne. Voilà, elle vous accompagne. Peut-être vous asseoir. Elle peut vous faire asseoir. Quand vous allez à la commande, vous pouvez dire non, mais je veux aussi voir les morceaux de viande. Okay. Donc c'est ici. C'est ce qui va se passer. Vous amener ça comme ça. Voilà, voici un peu. Donc nous invitons tous les récorés, nous invitons Lola qui n'est pas loin, nous invitons Masata, venez découvrir. Donc les week-ends seront les week-ends spéciaux pour la Kalichou, les week-ends des sous de Kabri. Pour les week-ends, il y en aura la Kalichou et sous de Kabri. Voilà, sous de Kabri avec la Tchiké, le plat Kalichou, sous de Kabri avec la Tchiké. Parce que très bientôt, nous montons notre industrie d'activité. Viens, viens, petit. Merci le petit Joël. Tu l'as bien nettoyé. Tu l'as lavé. Ça va? Merci le petit ici. Sa maman va travailler ici. Comme ça, va chercher l'argent. Hein? Déborah va chercher l'argent. Ça va, petit? Ça va. Voilà, nous qui sommes là matin, vous préparez quoi pour nous? On est possédé d'esprit de faim. On veut être délivré. Oui. Voilà, donc ça sera, nous aurons le soupe. La soupe de cabri, il y aura la soupe de cabri tous les week-ends. C'est placali chaud, soupe de cabri tous les week-ends. Placali chaud, la soupe de cabri et tout ça. Voilà, donc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'entre midi et deux, vous travaillez dans une banque, vous travaillez dans une administration, et vous ne pouvez pas vous déplacer à cause du boulot, ce n'est pas grave. Vous passez votre commande et on va vous faire acheminer ça. Voilà, on va vous faire emporter dans l'entreprise, vous êtes assis, la commande vient. Voilà, si vous êtes même chez vous à la maison, ce n'est pas grave, appelez. Mais c'est qu'est-ce qu'il y aura des frais là-dessus. Voilà, il y a des frais là-dessus. Voici le premier client. Voici le monsieur. Il a commandé quoi lui? Ça c'est lait. Voilà le lait. Tu as commandé quoi lait? Hein? Tu as commandé quoi lait? C'est ça? Tu vas commander quoi lait? C'est ça? C'est le premier client. Ma
Madame, est-ce qu'il y a du lait en lui? Non, ici c'est Mana Photo. Si tu ne peux pas vous partir, c'est pas Gali. Hein? On va venir jouer nous ici. Ici on va manger, c'est pas lait. Hein? S'il vous plaît, je veux lait. Non, non, on ne mange pas lait ici. Alors donc c'est un peu, voici comment les choses se présentent. Voilà. Prends tout, montre. Jusqu'à ce que tu reviennes. Le premier client, le voici. Monsieur, voici le premier client. Toi, tu veux lait. Oh, nous sommes des mangeurs de Placali avec Polo. Hein? Voilà, donc venez. Hein? Aujourd'hui, à partir de 15h, venez manger un peu. Venez tout le monde, venez manger, mais à partir de demain, vous allez payer. Voilà. Alors, le minimum de places, à partir de 25 000 francs guinéens. Voilà, tout ça monte. C'est 25 000 francs guinéens. Voilà, c'est 25 000. Voilà. C'est rien. Voilà, c'est rien du tout. C'est 25 000 francs guinéens. Voilà, 25 000 francs plat guinéens. Tu as ton plat de Placali, tu as ton riz. Voilà, et tout ça. Maintenant, si tu veux poisson, il y a son bris dans ça. Non, non, si tu veux manger un peu de... Pour pouvoir ajouter un peu, il y a pris de ça. Vous allez discuter de ça. Voilà, donc tout se passe dans là-bas sur le bureau. Vous pouvez commander à partir du nouveau mandat, il sert au scrutin historique. Vous pouvez commander la première déclaration de Martine Moïse, la veuve. Ah, le petit, il y a toujours là. Tu veux manger? Elle dénonce sans les nommer des ennemis opposés au chef de l'État défunt. Elle demande la caution de son mandat. Le mystère autour du crime reste entier. On dit que ta commande vient dans 10 jours. Dans 10 jours. Hein? Ta commande sera là dans 10 jours, petit. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Maman va travailler maintenant. Hein? Hein? Faut pas la merder, maman va travailler. T'as compris? Vas-y, t'as compris. Faut pas la merder pour dire, nien, je vais boire. Hein, je vais manger. Non, 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 maman doit travailler. T'as compris? T'as compris? Ok, ça marche. Voilà, tu es sage. Je veux que tu sois sage. T'as compris? Tu es bien sage. Mais on a fait de lait là. On ne mange pas de lait ici. T'as compris? Ce Twitter a bien un avis législatif historique. Elle se voulait ouverte à tous les ici, pas de lait. Pourtant, alors je veux boire lait. On est petit. Pas de lait ici. Ici, c'est une question de Placali. Mana Photo. Mana Photo. Voilà, Mana Photo. Ici, c'est une question de Mana Photo. Voilà. Alors, faut devenir sage, t'as compris? Très bien. Faut être sage. T'as compris? Voilà, il faut être sage. Voilà. Le premier ministre pour sauver la coalition au pouvoir en 1981,
Il faut être sage, il faut aimer les codes. Je lui ai dit, tu vas travailler. Il faut changer ta tenue, l'enfant, là, son truc là-dessus. Les assassins ne savent toujours pas qui a commandité le meurtre du président Jovenel Moïse et pour quelle raison. Alors qu'est annoncé l'arrivée d'enquêteurs, colombiens ou encore américains, le mystère reste entier. La veuve du président des femmes blessées pendant l'attaque d'Espagne aux États-Unis. Et la parole pour la première fois, Maxime Moïse dénonce sans la nommer ce qu'il a appelé des ennemis opposés au président à cause de son histoire et de son volontarisme. Explication à Mimi Babaïsa. Ta maman arrive. Alors donc c'est d'Haïti rencontre pour la première fois la nuit de mercredi. C'est le commando composé de 28 hommes armés a fait irruption dans leur résidence privée. Alors donc venez manger de placali chaud ici tous les matins. Vous voyez qu'on a eu un client. Là qu'il est venu, est-ce qu'il a mangé? Demain on aura mangé ici. Demain matin on aura mangé ici, ça sera comme ça. Voilà, tout le matin, ceux qui veulent manger ici à Zérecoré, vous allez donner un point. Un endroit où vous devez manger, placali chaud matin, nourrir et tout ça. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, à partir de 15h, tout le monde sera ici. Voilà. Merci, hein. On attend. Claude Joseph, Premier ministre depuis avril, s'est déclaré en charge des affaires courantes et a décrété l'état de siège pour 15 jours, mais sa légitimité est remise en cause. Le président Moïse, deux jours avant sa mort, avait en été. Affaire de groupe électrogène, là. C'est comme ça ici. Un premier ministre qui fait partie. Ben, viens manger. Ben, on t'invite. Venez manger. Il y a mangé. Il y a des Facebook là. Vous réveillez matin, venez manger. Ouais, Tokpogi. C'est une nourriture d'ici. C'est une spécialité de la forêt. Ça, c'est chez les Thomas là, le monsieur là. Comment ça se fait? Ça se fait pas comment? Tokpogi, c'est pas quoi? Ben, viens manger, Ben, viens. Viens manger Tokpogi. Tokpogi, c'est comment? On prépare ça comment? Allez-y, les filles. Faites-nous la nourriture. On met quoi dedans? On peut mettre l'escargot, oui. De la viande. Beaucoup de piments. Vous avez compris, beaucoup de piments. Oui. On peut préparer aussi avec aubergine. Oui, mais ça c'est quoi? C'est quelle spécialité? C'est sauce aubergine ou bien c'est sauce? Ah ah! C'est ce que vous n'avez pas touché. Non, Tokpogi, il y a forcément l'haricot dedans. C'est une sauce aubergine. Voilà, j'ai expliqué ça aux Ivoiriens pour qu'ils puissent comprendre. Oui, mais il y a forcément l'haricot dedans. Moi, toutes les sauces Tokpogi, j'ai mangé. Il y avait l'haricot et il y avait l'aubergine dedans. Voilà, Tokpogi. Mais c'est bien doux, hein? Oh, l'arrête. Mais Masata, c'est.
Toi, tu es Masata, tu vois ici. Donc, c'est pour dire que celui qui a Masata, il peut se retrouver ici. Non, je parle de Tocqueville. Ah, mais Tocqueville, là. On peut manger ça en France. C'est voir la recette, c'est tout. C'est parce que c'est à Masata que c'est doux. C'est une question de recette. Tu as la recette, tu es parti. Hein. Voilà, donc venez. Voilà, ça c'est l'établier. Voilà. Alors, ce pain-là, on appelle ça forêt. Voilà, on appelle ça forêt. Ça, c'est un pain d'ici, qu'on appelle forêt. Voilà, donc, c'est la couleur d'ici. Vous allez commencer à préparer à quelle heure? La patronne. Ouais, c'est professionnel, c'est pas du jeu. Alors, c'est très professionnel. Voilà. Ouais, c'est une question de Jaro Business Resto. Jaro Business Resto. Figaio le bonheur. Venez frapponner. Merci Ben. Voilà. Ça c'est le labo. C'est ici le laboratoire. Ça, c'est les alocos qui se préparent. Voilà, tout ça. Voilà. C'est ici que les choses sérieuses vont commencer. Viens m'ouvrir. Ça, c'est la cuisine.